La chaîne Infomusement. Télévision, le remake de la série Roots touche un nouveau public. You must hear your name first. Your name is your spirit. Your name is your shield. You must always honor your ancestors. The ones who love you and watch over you. It's time your family paid Kunta. Roots, remake de la série culte, revient sur les inégalités raciales aux États-Unis. Miniserie regardée par plus de 100 millions d'Américains lors de sa diffusion en 1977, la série Roots, Racine, est de retour à la télévision américaine. Un remake qui espère ouvrir les yeux de la nouvelle génération sur les atrocités de l'esclavagisme aux États-Unis. Diffusé en 1977, le programme raconte la condition d'esclaves de la population noire à travers plusieurs générations d'une famille de 1750 en Gambie jusqu'à la guerre de sécession dans le sud des États-Unis. À l'époque, ABC avait diffusé les 8 épisodes presque à reculons, pas convaincu que les Blancs regarderaient une série sur les Noirs dont le point de vue est majoritairement celui des esclaves. Anyone looks away takes a turn. I'm Kunta Kinte. 8 jours plus tard, après la diffusion du dernier épisode devant 100 millions d'Américains, près d'un sur deux à l'époque, Roots devenait un phénomène culturel. 40 ans plus tard, le casting rassemble notamment les immenses acteurs Lawrence Fishburne et Forest Whitaker.